Et nous sommes maintenant en live. Alors, yo tout le monde, c'est Journal, c'est la compagnie de Diablix Ferrit. Bartang. Et... Innocent. Et nous sommes présentement sur la bêta multijoueur de Star Wars Battlefront 2 qui finit demain le 9 octobre. Alors, on va en profiter pour faire un live ce soir. Notre tout premier live sur YouTube. Ouais. Alors, nous sommes en assaut galactique. Je commence en EV. Nous sommes du côté de la République. Je vais commencer spécialiste. Spécialiste. Ouais, spécialisé pour te laisser échapper une grenade à côté de tes pieds. Ha 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 ha. Ok, ils font mal. Depuis quand ils font mal? Ils savent pas tirer. Ah oh non, c'est les... C'est les Stormtroopers qui savent pas tirer. Et déjà un kill. Ah! Il m'a tué sur le côté, le salaud. Hey, c'est... Ouah, le dude, il y a trois cartes. Ok, j'ai très mal joué là-dessus. Malgré qu'il était 3. Salut. Salut. J'ai décidé d'aller dans le tas. Fonçons dans le tas, ça réfléchit. Non. Ah, il y en avait un là. Il y avait pas, il y en a un. Il m'a tué, je l'ai tué, on s'est entretué. Justice a été rendue. Je suis pas sûr de le prendre comme un compliment. Bah, tu l'as tué, non? Ouais, mais je suis mort après, fait que la justice, c'est que je sois mort. Bref, nous sommes sur la bêta. Merci. Tu vas vraiment échapper une grenade à tes pieds un jour. Comme lui, il vient de lancer. Bon. Ouais, ben celle-là, je l'ai peut-être vraiment échappé à tes pieds. J'ai pas le temps de le faire. Ouais, parce que j'en ai un en arrière de nous. Ça se pourrait. Il y a toujours personne qui regarde la live, alors je suis déçu. Je spawn pas vraiment avec toi. Salut, Alex. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de ça? Pourquoi tu portes une jupe? C'est pas une jupe, aussi. Oh, attends. Je sais. Oh! Bien, shot ça dans la face. Ah! Au moins, je suis quatrième dans le classement. C'est déjà ça. Hey, je suis niveau 3 avec Asu. C'est pas pire. Tu savais que tu pouvais évoluer quand tu pouvais passer de level avec une classe? Oui, je sais. C'est ça qui te permet de débloquer les cartes supplémentaires. Bon, j'ai d'en tuer un dans le dos. Je pense qu'il m'avait pas vu venir. Ben, c'est sûr que si tu l'as tué dans le dos, c'est peut-être clair qu'il t'a pas vu venir. Hey, en passant tout le monde, j'ai vraiment hâte à demain parce que demain, il y a la bande-annonce finale des Derniers Jedi qui sort. Ça a été annoncé aujourd'hui par le réalisateur du prochain film d'ailleurs sur son Twitter.
la bande annonce va sortir demain. Alors j'ai vraiment hâte de voir ça. Il est à peu près temps. Si le premier teaser il était sorti au mois d'avril, mais hein, qu'il était à peu près temps. Ils ont rien sorti depuis avril à part. Ah, ils ont sorti un making of, mais qui était quand même cool au. Il avait sorti ça où déjà? Pas Star Wars Celebration, il avait sorti ça au Comic. Pas au Comic Con, mais. En tout cas, je me rappelle plus quand ils l'ont sorti, mais ils l'ont sorti cet été. Puis, une bande annonce. Une vraie bande annonce d'au moins 2 minutes. Au moins. Ils sortaient rien que des échantillons. Des échantillons de 5 secondes pour nous dire. D'ailleurs, ce qui est sorti ce matin, c'est un échantillon de 2 échantillons de 10 secondes chacun pour nous dire la bande annonce arrive demain. La bande annonce, c'est pour demain. Ils ont vraiment tout. En plus, c'est en train. Rue est en train d'effleurer une roche. Elle est en train de créer un deuxième rocher perso. Hein? Qui ça qui est en train de créer un rocher perso? Dans la vidéo, t'as vois pas, c'est pratique, c'est une roche. Oh! Ok! Ouais! Ah, ça a écrit Zerbix. Elle était quand même bonne, ok? Moyenne! Oh shit! Je me suis fait tuer! Tu dans t'es un fait coin. Tuer! Da-da-da-dum! Oh non, ils sont pas déjà rendus ici. Ils se préparent à défoncer la porte avec le MTT. Youplay! Ah, puis il y a des vaisseaux en haut. Il y a toujours personne qui regarde le live, je suis fâché. Venez regarder ce live, s'il vous plaît, sinon je vais vous péter la gueule. C'est une blague. Diablix, tu dis rien? T'es trop spécial à soir pour comprendre de quoi je pense. Je pense qu'ils en ont eu la preuve en ce moment même. Ah, oh, salut Diablix. Bien bonjour Jonas. Il y a plusieurs vaisseaux. Oh la salope! Il y a vraiment plusieurs vaisseaux. Mais il y a vraiment des. Tu sais, des espèces de gros robots avec la face sur le chest, non? Mais qu'est-ce que tu parles, toi? Tu sais, là, les espèces de robots, là, qui tirent avec leurs bras, là. Ah, oh, ouais. Ils en ont full dans leur équipe, là. Ça ennuie que gossin. L'explosion est pour bientôt. Ouais. Ah, oh, pis y'en avait un sur le côté, mon petit marbre. Je vais aller spécialiste parce que de proche contre ces robots-là, là. Ça va être là qu'ils ont tiré. Ah oui. Il a finalement défoncé la porte. Ça va genre faire comme la dernière fois, on va genre résister une arrête en entrée. Mais ça dépend de notre équipe qu'on a. On a perdu beaucoup de contrôle.
maudite merde. Officier et Evie risquent d'être des classes qu'on va devoir prendre pour pouvoir se défendre. Ah oui! Depuis quand ils peuvent détruire mon bouclier, eux autres? Depuis qu'ils peuvent tout le temps. Ah bon. Bon, ben s'il faut y être proche en dedans, moi y aller en assaut. Ils sont très proches en dedans, oui. Ils ont tous des miniguns à cause qu'ils sont tous Evie. Ah, on a une rue. C'est Evie. Ah, et ça va être n'importe quoi dans un copy de tard. On va les massacrer. Mais tu veux que je reste Evie ou que j'aille à Asso? Evie? Hein? Ben, Asso aussi, ça peut faire, mais. Moi, je vais rester Evie d'abord. Evie, ça va mieux parce que t'es capable de plus défendre. Ok, ouais, ils sont vraiment partout. Ça nous prend beaucoup de grenades, mais officier, ça serait parfait parce qu'on peut lancer des grenades et on peut aussi également one kill. Oh, il y a un dark mode. Ah, tabarouette, pas ça. Mais je pensais qu'il ne pouvait pas l'ouvrir cette porte-là. Les salopes. Oh shit, Dark Maul en arrière de nous. Shit, y'a un Boba Fett aussi. Oh, mais si on la paille, ça nous. Je vais me déployer à minigun. Même pas le temps de tirer. Ils ont tous des gros robots, c'est ça qui aide pas. Je vais aller officier. Non, je vais aller. Ah bon, ben salut. on va y aller, officier, ça a l'air. T'es level 5 en officier? Ouais. Quoi? Ils ont moins souvent. Je joue pas officier pantoute, moi. Comment ça que je suis level 5 officier? Ouais? Mais what the... Comment ça que t'es level 5? C'est quoi cette. Ah, oh, il me reste 40 points de vie. Bon. On a perdu. Pour la République, défaite. Aïe aïe. Pour le bien de la République, nous devons perdre. Pour la République, défaite. Non, tu sais, c'est genre le clone qui dit pour le bien de la République, nous devons perdre. Il se tire dans le pied. Ou il fait comme Deadpool, il tire derrière lui, puis il enligne toutes les têtes. il se tire dans le derrière de la tête, puis ça passe à travers toute la range de clones. Une seule balle, trois morts. Bon, nous sommes du côté des droïdes et de la sœur des boîtes de conserve. Les boîtes de conserve? Roger, roger. Il manque encore 8 joueurs. 10 joueurs. Je crois bien qu'on va devoir quitter pis... Ça sera pas loin. On va attendre. Mais tu sais, le mode strike là. Ouais. Moi je trouve que c'est surtout. Tu sais, ceux qui défendent. Ouais, quitte la game. C'est plus facile de défendre que d'attaquer, je trouve. J'avoue. Il y a beaucoup trop de points de cachette pour se défendre. C'est beaucoup trop facile. Fait que ça en vient impossible contre les assaillants, tu sais. On
On va tomber encore Naboo, hey, on va être tanné de jouer sur Naboo maintenant. Mec, le jeu sort, on va être là. La première rue qu'on pogne, si on pogne Naboo, je vais être là. Ah non, pas Naboo Corliss. Pas encore! On serait vraiment condamné. Comment je suis. C'est quoi la joke? Avec Eevee, je suis 4, je joue presque jamais ça, je joue tout le temps à assaut, puis en assaut, je suis 3. En assaut, je suis 2, en Eevee, je suis 3, en 9-6, je suis 5, puis en spécialiste, je suis 6. Qu'est-ce que c'est ça, cette fin-là? Qu'est-ce que c'est ça, cette fin-là? Je pense qu'on a trouvé un petit bug de la bêta. Sûrement. Parce que je joue jamais officier, puis je suis 3. Mes deux classes, c'est spécialiste pis asso. Oui, mes deux moi, mes deux classes, c'est heavy pis heavy. Des fois, asso. Mais ma classe, je joue quasiment tout le temps heavy. Ok, ouais, c'est heavy. J'ai dit heavy pis heavy. Waouh. Mes quatre classes que je joue dans le jeu. Heavy, heavy, heavy et heavy. Roger, roger. J'adore le sniper des séparatistes, par contre, ils sont vraiment beaux. Essaye de nous prendre du côté de droite. Ok, ouais, il m'en. Toujours personne. J'ai juste 2 points de vie. Je me suis sûrement tué. Ma grenade, je pensais que ma grenade a passé entre les arbres, mais finalement elle a revolué. Ça m'a tué. Karma, je l'avais dit que t'allais avoir une grenade à tes pieds. Ta gueule. Tu vas en avoir une deuxième. Tu vas en avoir une deuxième. Tu fais chier. Karma! Toi, je vois rien avant mes cibles. Il y avait une cible sur le côté là-bas, puis je l'ai perdue à cause de ce que je t'ai regardé. Ok, j'en reviens. Toujours personne. Toujours personne. Il y a quelqu'un là-bas par contre. Quelqu'un là-bas par contre.
Il y a beaucoup d'ennemis dans nos lignes arrière. Attention, sur le côté à ta gauche. C'est là qu'il y en a beaucoup. J'ai vu des poules dans la map. Sérieux, j'ai vu une poule. J'ai vu une poule. Une poule? Ouais. What the fuck? J'étais mort, pis elle courait dans la map. Mais c'était pas un joueur, là. C'était... Ça faisait partie de la map. Il y avait une poule. Poule? Ouais, une poule. Roger. T'aimes-tu avec les clones ou les droïdes? Si j'aime plus les clones que les droïdes, je l'invite. Ouais. Ouais. Bon, j'ai pas de préférence pour l'instant. Je joue bien les deux, fait que. Mais en fait, il n'y a pas trop de différence hein, à part l'aspect physique. Grenade! C'est mon âge, j'ai les headshots! Mais il y en a d'autres qui vont se ramener. Moi, je suis un spécialiste, puis je te suis genre au front, yes sir. J'ai tellement failli la pogner! J'ai un assist. Oh! Je me suis fait éclater la bombe. Tu t'es éclaté ta propre bombe dessus? Hein? Tu t'es envoyé ta propre bombe dessus? Non. Moi, contrairement à toi, c'est un ennemi qui me l'a lancé. Toi, t'as pas besoin d'avoir d'ennemis pour te tuer la bombe. C'est un allié, ça. Ouais, je m'en suis rendu compte après avoir tiré ma grenade. Tabarouette. Tu seras en armée, tu lances une grenade dans le tas. Hey, c'était notre allié! Oh! Je m'en ai rendu compte une fois, je l'ai dégainé puis je l'ai lancé. Ah! Ok, il y a beaucoup d'ennemis qui s'en approchent.
Quoi? Quoi? Pardon? Mais pourquoi est-ce que... Pourquoi? Mais... Je suis fâché. Mais... Pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps? Aucune idée. Bon, c'est ce qui conclut ce live. Wow. Non, je blague. Ou pas, bonne soirée.